Salut mes duchesses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit du quatre côtés. On m'en parle souvent, on me demande comment on l'utilise. Donc, je me suis dit aujourd'hui, on va en parler. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Et c'est parti. Voilà. Moi, je le connais tout à fait sous le nom de quatre côtés. Voilà, parce que c'est un fruit qui est comme ceci, qui a quatre côtés. Si vous pouvez le voir comme ça, il est assez original, voilà. Il a une odeur un peu bon. Je suis pas kiff-kiff de l'odeur par contre, mais voilà, c'est son odeur à lui. Et à l'intérieur, il y a des toutes petites graines comme ça. Donc, il est énormément utilisé dans les médicaments traditionnels et notamment dans les médicaments traditionnels de fertilité. Il va être utilisé dans les médicaments pour traiter tout ce qui est asthme, tout ce qui est kyste ovarien, tout ce qui est hypertension. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi on l'utilise beaucoup en ce moment. C'est voilà, parce qu'elle est super cotée en ce moment et pourquoi, dans quel but en fait on l'utilise de plus en plus au jour d'aujourd'hui. On l'utilise beaucoup dans les traitements, tout ce qui touche la femme, l'intimité de la femme, le corps de la femme. Il faut savoir que ce n'est pas un médicament uniquement pour la femme, c'est un médicament pour l'homme. Et également l'enfant. Tout va dépendre des pathologies que nous souhaitons traiter. Ce qui concerne la fertilité, elle va traiter les problèmes de fertilité de la femme et ainsi que de l'homme. Donc voilà, la fertilité ne concerne pas que la femme. Elle va également lutter contre les problèmes de règles, en fait, les absences de règles ou les règles très très douloureuses ou des règles irrégulières. Elle va lutter aussi contre les fibromes, les kystes ovariens. Elle va également aussi aider à déboucher les trompes, également aussi à traiter les règles noirâtres. En général, elle va permettre aussi de nettoyer l'intérieur de la femme, histoire de la purifier. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif de comment l'utiliser. Donc, le fruit, en fait, en lui-même, vous allez le prendre. Donc, ici, vous allez prendre un fruit de quatre côtés comme ceci. Si vous voulez, vous allez le découper. Voilà, vous allez le découper en tranches. On va dire celui-là, on peut le découper en quatre. Vous voyez, comme il est là, on peut le découper en quatre. Voilà, le laver, le mettre dans une casserole, le faire bien bouillir, mais vraiment très très bien bouillir en fait. Et ensuite, le liquide qu'on va retirer de ça, on va pouvoir le boire ou faire la purge avec. Donc, le lavement du côlon, je vous ai fait une vidéo, allez la voir comment on fait le lavement du côlon. Donc, on pourra également faire le lavement du côlon avec. Ça permet vraiment de nettoyer de l'intérieur, donc on peut le faire homme et femme. Donc, ça permet aussi de nous aider au niveau des problèmes liés à la fertilité. Et aussi au désagréments quotidiens de la femme, c'est-à-dire les douleurs de ventre, les ballonnements, les problèmes dus aux règles, les absences de règles et tout. Mais faut aussi savoir que le meilleur ami du quatre côtés est le poivre africain. Donc j'ai trouvé un autre nom au poivre africain que aussi on appelle le poivre de Guinée. Nous, je sais qu'en Côte d'Ivoire, on appelle aussi le canifi et également poivre africain. C'est toujours comme ça que je l'ai appelé. Donc celui-là, ce serait bien si on l'a en moulu. En moulu, on va venir le mélanger avec les quatre côtés. Les quatre côtés, ça, on peut le trouver sous forme de poudre. Voilà, donc sous forme de poudre, plus les poivres africains sous forme de poudre. Faire un mélange avec, on peut avoir plus facilement, le faire bouillir plus facilement pour pouvoir faire notre traitement avec. C'est génial. Voilà, donc là, je vais donner une petite astuce, en fait, comment l'utiliser pour les problèmes de troubles d'ovulation. Par exemple, les femmes qui ont du mal à savoir quand est-ce qu'elles ovulent, elles ne savent pas si elles ovulent vraiment, voilà, histoire de permettre de réguler en fait sur ce niveau-là. Vous allez venir prendre un fruit de quatre côtés comme ceci, vous allez le découper, voilà, en quatre, le laisser tremper dans de l'eau, donc 1 litre d'eau pendant 24 heures, histoire qu'il dégage en fait tous ses bienfaits. Ensuite, on va prendre le liquide obtenu, donc il serait préférable de laisser à température ambiante en fait, pas vraiment le mettre au frais, laisser juste à température ambiante. Ensuite, on va prendre le liquide qui vient de cela, boire un verre le matin, un verre le soir. Ensuite, avec le reste qui va rester, faites la purge avec. Donc, vous allez prendre votre poire à purge, donc votre purgeoire, votre poire de lavement, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ensuite, vous allez faire votre lavement du côlon avec. Vous le faites 3 fois tous les 2 jours. Donc, si vous le faites lundi, vous laissez le mardi, vous le faites mercredi, vous laissez le jeudi et vous le faites le vendredi. Donc, c'est-à-dire 3 fois. Ensuite, lorsque vous allez faire votre mélange pour la purge, donc le liquide que vous allez obtenir de ceci, il serait préférable si vous avez le poivre africain en poudre, d'en mettre une petite cuillère à café dedans et ensuite faire votre purge avec. Cela va permettre de vous aider à réguler votre ovulation. Alors, lorsque vous allez boire votre petit cocktail, en fait, de mélange de quatre côtés, il faut savoir qu'il n'est pas très très agréable à le boire. Voilà, si je suis honnête avec vous, il n'est pas très agréable, il n'a pas très bon goût. Il peut parfois créer des désagréments au niveau
au niveau de la digestion, en fait, ça peut vous donner envie de vomir tout court. Ça peut vraiment vous donner envie de vomir. Mais bon, ne vous dites pas que je vais l'arrêter parce qu'il n'est pas bon pour moi. Non, 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 c'est vraiment qu'il n'est pas agréable à voir et ça peut vraiment vous donner envie de vomir. Et c'est pas parce que ça vous donne envie de vomir qu'il faut laisser le traitement. On est bien d'accord, il faut vraiment le suivre les 3 fois comme je vous ai dit. Alors, du coup, bah, vous pouvez le boire, donc homme et femme. Voilà, même pour la maison, vu qu'il va permettre de traiter de l'asthme, l'hypertension, les problèmes de dos. Donc voilà, on peut le boire aussi en famille en fait. Donc monsieur, madame, enfant, tout ça, tout ça. Mais pas l'enfant de trop bas âge. Je dirais toujours les enfants à partir de 15 ans au niveau des produits-là, vu qu'on ne connaît pas exactement le dosage en fonction des âges. Il faut savoir qu'en Afrique, en fait, dans la plupart des médicaments traditionnels, c'est des médicaments que nous utilisons même dans l'alimentation. Voilà, c'est des plantes qu'on utilise dans l'alimentation, donc il n'y a rien de nouveau. On n'a rien inventé au jour d'aujourd'hui. C'est sauf qu'il y a certaines traditions que nous avons oubliées, que pas que nous avons oubliées, que nous avons laissées derrière. On a laissé dans les mains de nos grandes-mères, mais aujourd'hui, les grandes-mères s'épuisent et ne sont pas forcément là pour nous rappeler les bienfaits des plantes qui sont très importants aujourd'hui parce que voilà, c'est... Ils sont la plupart du temps sans vraiment d'effets secondaires. Et on va aujourd'hui dans les médicaments comprendre les effets secondaires qu'ils ont. Et là, ils sont plus sans effets secondaires. Du coup, c'est très très bénéfique en fait. Et on oublie en fait comment les utiliser. Où on peut trouver le 4 côtés? Bah, le 4 côtés, vous pouvez le trouver en Afrique. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'en fonction des pays, ils changent de nom. Voilà, moi je le connais sous le nom de 4 côtés, c'est qu'on l'appelle l'excès. Donc après, si vous avez d'autres noms en fonction de vos ethnies, en fonction de la région dans laquelle vous vivez, vous pouvez nous le mettre en commentaire pour pouvoir aider les autres personnes à trouver. Ensuite, en Europe, où on peut le trouver? Bah, sur Internet, vous pouvez le trouver. Également, bah, achetez-moi sur Snapchat, je pourrais vous en renseigner aussi également comment vous pouvez vous le procurer. Et vous pouvez le trouver aussi à Château d'Eau, Château Rouge, il me semble, si vous êtes en France. Après, je sais pas trop. Donc, si vous savez, mettez tout en commentaire pour pouvoir aider la communauté. Alors, je sais que vous avez posé la question, est-ce qu'il faut le boire pendant qu'on est enceinte? Non, je ne pense pas qu'il faut le boire pendant qu'on est enceinte. Je ne connais pas grand-chose à ce niveau-là, au niveau du 4 côtés, puisque je le connais plus dans le traitement, puisque je le connais dans le traitement de la fertilité, mais je ne le connais pas après si vous êtes enceinte. Je ne sais pas qu'est-ce qui va vous apporter le plus pendant votre grossesse. Donc, je dirais non pendant la grossesse. Si vous avez des contre-indications, veuillez le mettre en commentaire. Mais sinon, après l'accouchement, il sera très bien vu qu'il va permettre de vous nettoyer de l'intérieur. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser une fois que vous avez accouché. Alors, pour moi, c'était une toute petite vidéo pour vous expliquer un peu comment l'utiliser et dans quel but en fait, parce qu'on me demande très souvent comment on l'utilise. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres façons de l'utiliser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fera plaisir à chacun pour pouvoir savoir aussi comment l'utiliser et les bienfaits qu'il peut les apporter dans les vies en général. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Snapchat et Instagram. Donc c'est Snap, on essaye de partager en fait nos expériences, les produits qu'on utilise et tout. Qui est réservé aux femmes uniquement. Qui est réservé aux femmes. Et je remercie à toutes ces personnes qui me suivent à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui plus de 10 000 personnes à me suivre. Et je vous remercie du fond du cœur. Et malgré que je ne suis pas forcément régulière sur YouTube, vous êtes nombreux à me suivre chaque jour. Et je vous remercie énormément du fond du cœur. Et j'espère que mes vidéos vous servent. Et donc au fur et à mesure du temps, on va essayer de vraiment de parler de plusieurs plantes en fait que nous retrouvons. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.